That's my main point in changing it, trying to get a positive vibe going and trying to get people to recognize the Ink as talented individuals and not with all the negative bullshit that sometimes is being said. So, the Ink Records. Salut, c'est Dianguina d'Interlude Hip-Hop Classique. J'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui nous ont envoyé tous ces messages de soutien et d'encouragement, nous disant que notre série Murder Inc. était ouf. C'est vraiment une marque de reconnaissance par rapport au travail qu'on abat à chaque fois, et ça fait vraiment plaisir. Alors cet épisode sera le dernier de cette série. Et pour être honnête, c'est celui que je préfère. Vous comprendrez pourquoi. Et pour finir les choses en beauté, j'ai deux grosses surprises pour vous, que je vous présenterai tout au long de cet épisode, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. À ce stade de notre histoire, un nuage judiciaire planait encore au-dessus de Murder Inc. Mais des soucis plus sérieux se profileront, puisque la rue s'immiscera dans leurs ennuis. Des vies seront menacées, d'autres personnes seront tuées. Quel en sera le sort pour Murder Inc. Sans plus tarder, allez, c'est parti. Alors un petit peu comme dans l'histoire du procès de Puffy et Shine, la timeline est super importante pour bien comprendre ces événements. Le FBI procédera à une perquisition des bureaux de Murder Inc. ainsi qu'à l'arrestation des frères Gotti en janvier 2003. Les photos anthropométriques et menottes au poignet d'Irv Gotti feront le tour des rédactions de presse. Mais Chris et Irv seront relâchés quelques jours plus tard, après paiement d'une caution. Quant au procès, lui ne s'ouvrira qu'en novembre 2005, soit presque 3 ans plus tard. Janvier 2003 pour le raid du FBI, novembre 2005 pour l'ouverture du procès. La réputation de Murder Inc. n'a jamais été reluisante, et Jay-Z l'admettait déjà en 99 dans son titre Dope Man, qui est d'ailleurs l'une des plus grosses tueries passées sous silence de son album volume 3, le Life and Times of S.Dat Carter. Et même si ce titre est une immense métaphore, qui à mon avis présente énormément de similitudes avec son titre Rap Game Crack Game de l'album volume 1, la ligne de Jay-Z en disait déjà beaucoup sur l'image qu'a toujours envoyé Murder Inc. et notamment auprès des médias. Alors tous remuent ménage et les investigations de la police viendront encore écorner la réputation de Murder Inc. Et beaucoup d'acteurs du monde du hip-hop se détourneront d'eux par peur de cette image sulfureuse. C'est pourquoi sous la pression de Def Jam, Irv procédera à une opération de lifting sur la face du label, à commencer par le nom. La pression était telle que le 3 décembre 2003, Irv a tenu une conférence de presse en annonçant la fin de Murder Inc. Ce qu'on a 20 ans surnommé le label le plus dangereux au monde était devenu tout simplement The Inc. On espère que dorénavant les gens s'intéresseront uniquement à nos talents et pas au mot murder, disait Irv en conférence de presse, entouré par Russell Simmons, Ja Rule et Ashanti. Des années plus tard, Irv confiera que ce changement cosmétique était contre sa volonté. Et la mine défaite d'Irv lors de cette fameuse conférence de presse en témoignait assez bien d'ailleurs. Puis comme elle s'en doutait, la team Murder Inc. se verra également notifiée que la justice recherchait des éléments pouvant la relier directement à la tentative d'assassinat contre 50 Cent en mars 2000. En fait, les procureurs souhaitaient accumuler un maximum de charges pour alourdir leur dossier et être sûr de pouvoir les faire condamner. Donc pour Irv et Ja Rule, c'était évident que 50 Cent était quelque part derrière tout ça. Raison pour laquelle, dans le clip de Ja Rule, Murder Reigns, troisième single de son album Last Temptation, un clip sorti en mars 2003, soit très exactement 2 mois après le raid du FBI, Ja Rule et Irv Gotti reconstituent les scènes de la perquisition et de l'arrestation par le FBI. «
Alors même si les scènes n'étaient pas toutes strictement conformes à la réalité, puisque dans les faits, Ja Rule ne sera pas arrêté, le clip tentait tout de même de représenter au mieux la situation de la perspective de Murder Inc. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit dans le clip les photos de Ja Rule, Irv Gotti et Supreme sur un mur de police en tant que suspect. Mais ce qui retiendra le plus l'attention dans cette vidéo, c'est la présence d'un personnage censé représenter 50 Cent, jouant le rôle de l'indic et allant au commissariat pour balancer sur Murder Inc. You don't need to see Detective Fitzgerald. What for? I got some info for him. Alors les chiffres étaient sans appel. D'après les études statistiques à cette époque, lorsque le FBI montait un dossier, le taux de condamnation était de 98,7%. Ce qui veut donc dire de manière très simple que lorsqu'à cette époque, et même encore aujourd'hui, vous aviez la police fédérale des États-Unis sur le dos, vous étiez presque sûr et certain de ressortir condamné. Et c'est vrai que les grosses sommes d'argent reçues par Supreme de la part de Murder Inc. et Def Jam avaient suscité les doutes des fédéraux, notamment au vu de leur ampleur. Les nombreuses soirées passées ensemble dans les clubs new-yorkais et même les fêtes de famille auxquelles Irv l'avait convié avaient convaincu Prime de lui demander d'investir 50 000 $ de sa propre poche dans le film Crime Partners. Supreme était aussi parvenu à obtenir de Def Jam un contrat de distribution $1 million pour la bande originale de Crime Partners. Celle-ci devait être produite par Gotti et voir la contribution d'artistes comme Jay-Z entre autres. Mais les principales charges retenues contre Murder Inc., à savoir celles de blanchiment et complicité de blanchiment d'argent, semblaient tellement absurdes et faciles à balayer qu'au départ Chris et Irv étaient plutôt confiants quant à l'issue d'un éventuel procès. Le rapport de comptabilité corroborait une bonne partie des déclarations des frères Lorenzo. Ça voulait dire que c'était bien le groupe Universal Music qui avait financé Murder Inc. à ses débuts, et non Supreme. Par conséquent, Chris et Irv Gotti étaient convaincus que le FBI ne les inculperait pas. Mais ce n'est que plus tard que Chris et Irv découvriront que le dossier qui avait été bâti contre eux par le FBI était bien plus costaud que prévu. En fait, les fédéraux s'étaient démenés pour essayer de trouver tout un tas de liens entre Supreme et les cadres de Murder Inc. et présentaient le label comme une organisation mafieuse, trombinoscope à l'appui. D'ailleurs, voici un document qui avait été versé à charge contre eux et qui présentait le mécanisme supposé de blanchiment d'argent d'après le FBI de Supreme, désigné ici par la McGriff Enterprise, jusqu'à Murder Inc. Et comme vous pouvez le voir, d'après la police, pratiquement tout le monde chez Murder Inc. avait un rôle bien spécifique dans ses activités criminelles. De Chris et Irv Gotti, qui étaient les présidents et vice-présidents du label, jusqu'au manager de Ja Rule et même à la comptable. D'après l'enquêteur Moskov, les frères Lorenzo et Kenneth McGriff, dit Supreme, sont devenus associés et même complices. À travers Murder Inc. et d'autres sociétés qu'ils détenaient et contrôlaient, ils ont blanchi pour plus $1 million de recettes illicites issues du trafic de drogue. Et au-delà de la police, il faut souvenir que les accusations de rappeurs rivaux de Murder Inc. abondaient aussi dans ce sens. Je vous ai déjà largement parlé des insinuations à peine voilées de 50 Cent, mais il était loin d'être le seul. Dr. Dre fera aussi allusion dans l'un des seuls titres où il répondra aux attaques de Ja Rule, et plus particulièrement à Loose Change que j'avais brièvement évoqué dans la troisième partie de cette vidéo. Et ce titre c'était Shit It's The Fans, que vous retrouvez d'ailleurs sur le premier album de Beat Trice, Cheers, qui reste d'ailleurs un classique rap de fou pour moi. Et dans ce titre, qui est également trouvable sur la mixtape de G-Unit, G-Unit Radio Volume 3, Taking It to the Streets, présenté par LeBron James, Dre laisse entendre de façon assez subtile que Ja Rule et Murder Inc. sont des marionnettes entre les mains du gangster qui leur offre une protection. Et évidemment qu'il faut comprendre qu'entre les lignes, Dr. Dre parle de Supreme.
ass ass backwards. Cause them niggas just gon' keep coming back, and that's when extortion happens. Them niggas just gon' keep coming back, and that's when extortion happens. C'est ce que 50 Cent résumait assez bien lors d'une interview où il expliquait la chose suivante à propos de la relation entre Murder Inc. et sa prime. Ce sont des lâches, disait 50. Les gangsters s'associent toujours avec des gens faibles qui ont besoin de leur protection. Ils servent de leur peur pour profiter de ceux qui ont talent. Et c'est ce sentiment qui amène un artiste sans défense à traîner avec des gangsters. Mais ça ne veut pas dire qu'eux aussi sont des gangsters, mais plutôt qu'ils se font extorquer par eux. D'ailleurs, sa prime était de plus en plus visible dans l'entourage de Murder Inc. À la fois dans les locaux de Def Jam, où il avait ses entrées libres, mais aussi dans les lives de Ja Rule, où on l'apercevait toujours assez discret, comme par exemple dans ce concert de Ja Rule en 2002. And this shit is called Murder Reigns. La vérité, c'est que tout le monde savait que ces charges étaient absurdes et vides de sens. D'ailleurs, sur son album Or You Ali, Ja Rule a un son très lourd qui s'appelle Gun Talk en featuring avec Black Child. D'ailleurs, le premier couplet de Rule et le couplet de Black Child sont vraiment excellents dessus. Et sur son couplet, Ja Rule se moque des accusations de blanchiment d'argent. The Ink Boys is real killers. Money laundering, tax evading, drug dealers. Backed by Kenneth McGriff, I can't be serious. Money laundering, tax evading, drug dealers. Backed by Kenneth McGriff, I can't be serious. Mais le véritable objectif du FBI était de faire condamner sa prime à tout prix et par tous les moyens. Ce qui fait que personne n'arrivait à vraiment saisir le fondement réel de cet acharnement du FBI contre Murder Inc. Et la stratégie mise en place par le FBI avait été de mettre Murder Inc. dos au mur, en les faisant choisir entre 1. Balancer sa prime pour conserver leur empire, ou 2. Tomber avec sa prime et tout perdre. Et les fédéraux avaient également tout mis en œuvre pour asphyxier financièrement Murder Inc. afin que ses cadres ne puissent pas aider sa prime à s'en tirer lors de son procès. Because if you remember, they came and raided me, but I didn't go to trial for the next 2.5 years. They held the money the whole time. As soon as they raided me, they sent a letter to the Universal Music Group, said if you give Irving Lorenzo $1, you're gonna be his co-defendants. So they held because you gave him that money of which he's helping this fucking drug dealer Suprema. So you're gonna be his co-defendants. So they stopped me from getting probably like $50 to $60 million. Because now what has the Universal Music Group done? Got it. We can't do nothing with you. We can't give you a dollar. Look at the letter from the government. And they hid behind that. And there they try to say that Supreme bankrolled right. Murder Inc. Right. And it was all bullshit. It was all bullshit what they did to me so I wouldn't help Supreme fight his case. They knew I would have gave Supreme the money for his lawyer to fight his case. So it was a chess move to destroy me and take all of my money. D'une certaine manière, le FBI avait misé sur la cupidité des frères Gotti pour les faire coopérer dans cette histoire. Et leur objectif était tellement affiché que face aux réticences répétées de Chris et Irv à lâcher la moindre information concernant Supreme, l'accusation avait multiplié les tentatives d'accord avec la défense. Chris Gotti expliquait tout ça lors de son passage chez No Filter. Basically what they did, they said you tell us a story on this guy and we'll give you a year. And we was facing 20, they broke all the federal guidelines. Then they came back with another offer, 6 months. Each and separate. You go in one time and then your brother goes in. Wow. So this way the business could keep moving. And we're like, no. The last one was probation. No jail time, but you got to tell on Supreme. And then we'll come in and, you know, give you probation and no jail time. And we tell them no. I told my lawyer when they came with the letter, stop bringing these offers. Let's go to trial. My lawyer was like, hold on, Chris. Yeah. He's like, wait a second. Et oui. Par loyauté pour sa prime, et aussi certainement pour leur image, les frères Gotti ne lâcheront rien, ce qui est quand même à souligner dans un procès où ils avaient tout à perdre. Et voilà ce qu'en disait sa prime justement. Ils m'ont proposé 6 mois et j'ai refusé, disait Irv. On voulait pas plaider coupable de ces accusations pour qu'ils s'en servent dans le procès de sa prime.
Les frères Gotti sont restés droits dans leurs bottes. Supreme disait « Je parlais au téléphone avec Irv et je lui ai dit qu'on n'avait rien fait de mal. Quand on sait qu'on n'a rien à se reprocher, on a la conscience tranquille. Je suis fier d'eux. » Voilà pourquoi j'étais totalement pour qu'on ait des procès séparés. Je voulais pas que mon image déteigne sur eux. Et ouais, ils iront jusqu'au procès, qui s'ouvrira le 17 novembre 2005. Les arrivées au tribunal de Chris et Irv Gotti seront largement scrutées par les caméras de télévision. Et plusieurs gros noms de Def Jam viendront leur afficher un soutien. Russell Simmons évidemment, mais également Jay-Z, qui avait été entre-temps nommé président de Def Jam et dont la relation avec Irv Gotti s'était plus ou moins rabibochée à cette époque. Pour résumer, Irv et Chris Gotti risquaient chacun dans ce procès 20 ans de prison. Dans un système où, je le rappelle, le taux de condamnation dépassait les 98%. Ce seront plus de 10 millions de dollars en termes de frais d'avocat pour assurer la défense de toute leur équipe que Chris et Irv paieront de leur propre poche. Après 2 jours de procès, les avocats de la défense des frères Gotti parviendront à totalement balayer les accusations concernant l'implication possible de Murder Inc. dans la fusillade contre 50 Cent en mars 2000. Pour Murder Inc., c'était comme si le FBI avait bâti ses accusations sur les lyrics de 50 Cent. C'est vraiment scandaleux, disait Gerald Lovecourt, l'un des avocats de Murder Inc. Les gens écrivent des textes de rap parce qu'ils sonnent bien. On peut pas prendre ça au pied de la lettre. Je pense pas que ces textes devraient être pris hors de leur contexte. Dans ce procès, l'accusation voulait faire reposer son argumentation sur des paroles de chansons. Alors en retour, on présentait d'autres paroles qui les contredisaient. C'était tellement absurde que le juge a décidé de mettre un terme à tout ça. Après plusieurs revers, les procureurs ont décidé d'abandonner les charges face à Murder Inc. dans le dossier de la fusillade contre 50 Cent. Dans les jours qui suivront, les avocats des frères Gotti afficheront une certaine confiance. You feeling it's up to the jury now? Well, we feel good, but we spent a long day making our arguments. We stand on what we said in the courtroom, and we look forward to tomorrow. What do you think's going to happen tomorrow? We're going to win. I mean, are you? We're confident. We deserve to win. Why? Because the evidence was so just ridiculous. Mais ces déclarations contrasteront totalement avec la tension et la perplexité manifeste des frères Gotti quant à l'issue du procès. It's not over, and when it's over, I'll tell you how I feel. Et le 30 novembre 2005, le jury rendra son verdict. Les frères Gotti ressortiront acquittés de toutes les charges. Les images d'Irv Gotti ressortant du tribunal en pleine jubilation, entouré par ses avocats, avant d'aller rejoindre Ja Rule, seront largement diffusés. I'm overjoyed. I can't say thank you enough to these two guys that I got my arms wrapped around. These guys are my attorneys for life. Hip-hop is the backbone of America right now. Y'all know about it because y'all read about it and y'all write about it and y'all document it. All right, you coming through, and I'm just happy to say that we're in this. Alors pour ce qui est de la première surprise annoncée, certains parmi vous se diront que mon t-shirt est lourd, et ils auront raison d'ailleurs. Mais mis à part ça, ouais, on l'a bel et bien fait. Je sais que vous qui nous regardez régulièrement, vous êtes de vrais passionnés de hip-hop. Je le vois, je le lis dans vos commentaires. Et donc pour vous, et juste pour vous, on a développé quelque chose de particulier, quelque chose de spécial qui vous permettra de ressortir de la masse et qu'on ne vous confonde plus avec tous ceux qui écoutent du rap simplement pour sentir à la page. Et donc on a élaboré une première collection de t-shirts qui vous permettra d'avoir un message fort pour marquer votre passion pour nos classiques hip-hop et deuxièmement de le faire de manière stylée et unique par rapport à ce que tous les autres portent. Parce que ouais, je vous le confirme, les autres ne porteront pas ça. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le Forever de Wu-Tang ou le Doggy Style, le Snoop. Allez leur en parler. Mais vous et moi, on connaît et on apprécie sincèrement ces classiques. Et c'est là toute la différence.
Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'arborer la cover du volume 3 de Jay. Mais bien évidemment que sur cette première collection de t-shirts, vous retrouverez d'autres personnages, du 50, du Game, du Pac, etc. Toujours sur la base d'album cover classique et sous format cartoon. Néanmoins, je dois être totalement franc avec vous. Aujourd'hui, on lance un premier ballon d'essai, de manière à voir un petit peu comment notre communauté réagit. Ce qui veut donc dire qu'on va se limiter à une première et seule collection de t-shirts de taille relativement modeste et sur une quantité extrêmement limitée. 300 t-shirts. De là, deux cas de figure vont se poser pour nous. Le premier, la demande est plutôt forte. Alors à ce moment-là, on repartira sur une nouvelle production de t-shirts et on vous présentera même d'autres collections tout aussi dingues qu'on a déjà dans les tuyaux. Le deuxième cas de figure, un petit peu moins cool, c'est finalement la demande est plus timide. Alors à ce moment-là, on ne relancera pas de production de t-shirts. Ce qui veut donc dire que les 300 premiers exemplaires seront les 300 seuls et uniques exemplaires jamais produits. Donc si vous voulez être sûr d'avoir le t-shirt sur le ou les modèles qui vous plaisent et sur la taille qui vous va, bah tout simplement soyez réactif. Et vous pouvez donc déjà dès à présent consulter ces premiers t-shirts et même les commander en vous rendant sur le site outro-official.com dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, ce qui s'est passé avec Murder Inc. est également pour beaucoup associé à des histoires de rue, qui sont par principe très peu racontées. Donc, ce que je vais vous expliquer ici fait partie de la face la moins connue de l'histoire du label. Des personnes en sont mortes, d'autres ont écopé de peines de prison à vie, ce qui explique que pendant très longtemps, on en est très peu, voire pas du tout parlé. L'affaire Kalilekta en était l'une des répercussions internes directes. Qui était Kalilekta ? Kalilekta est l'un des rappeurs originaux de Murder Inc. Pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu familiers de la musique de Ja Rule, vous le connaissez forcément, puisqu'avec Black Child, Kalilekta était systématiquement invité sur tous les albums de Ja Rule. Il était un petit peu à Ja, ce qu'un Yeyo ou un Banks est à 50 à l'époque. Et l'album de Kalilekta, qui devait initialement sortir chez Murder Inc., ne verra finalement pas le jour, même si un sampler de l'album, intitulé Puff City Hustler, sortira en version promotionnelle avec quelques titres, dont son fameux single, qui avait eu un petit buzz au début des années 2000, Just Like a Thug, avec Ashanti. Donc Kalilekta a toujours été très proche de Ja Rule et Irv depuis les débuts de Murder Inc. Or, dans ses mémoires, Prodigy de Mobb Deep raconte des choses qui n'étaient absolument pas destinées à être connues du grand public, c'est-à-dire de vous comme de moi. Comme Nas d'ailleurs le dira dans son titre, Queensbridge Politics, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son Lost Tapes 2, au vu de tout ce qu'il dévoile, Prodigy n'aurait jamais dû écrire ce livre. Why Prodigy mural get vandalized? Why Prodigy? The project politics, obviously. I wish the book never came out and everything got straightened out before you left. Je vais être simple là-dessus, puisqu'autrement ça va me faire empiéter sur d'autres histoires de rue et les origines de l'inimitié entre Murder Inc. et Mobb Deep, ce qui n'est pas le sujet. Mais pour faire court, Prodigy de Mobb Deep a toujours été très proche d'un autre rappeur du nom de E-Moneybagz. E-Moneybagz, certains d'entre vous le connaissent peut-être de nom, ne serait-ce que par le célèbre big up que lui lance Foxy sur Affirmative Action. Et en 99, E-Moneybagz va faire sortir un album intitulé In E-Moneybagz We Trust, avec un gratin d'invités de rappeurs de Queens, Nas, Nature, Noriega, Kool G Rap, etc. C'est un album que j'ai toujours conservé très précieusement dans ma collection et que je recommande à tous les fans de rap new-yorkais des années 90. In E-Moneybagz We Trust.
I sit back and observe y'all, reminiscing when I heard all y'all. E-money bags and blood, printed on the wall. Colder than a castor in the polar, bubble like soda. Bending these young Lola Falanas over. Cross me, cut out your mama's ovaries. Kid, you know the Steve's. Have your wake smelling like potpourri. On the low key, ship these to overseas. My shit is so quicker than groceries. K-O-O-L-N-G, you know it's me. De manière générale, E-Moneybagz est un gars de Jamaïque à Queens, proche d'autres rappeurs de Queens, et plus particulièrement de ceux de Queensbridge, bien qu'il ait passé les premières années de sa vie à Brooklyn. Il faut également savoir que E-Moneybagz, c'est le gars de Nas à la base. C'est même d'ailleurs par l'intermédiaire de Nas qu'E-Moneybagz et Prodigy vont faire connaissance. D'ailleurs, dans l'outro du premier album de Capone & Noriega, les tout derniers mots sont ceux de Nas et E-Moneybagz. Alors c'est une histoire assez connue mais que je reprécise pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas le contexte en tête. Capone a été incarcéré pendant l'enregistrement du War Report de CNN. Et donc Noriega a dû finir l'album seul. Ce qui fait donc que l'outro de cet album, c'est un enregistrement de Capone au téléphone depuis la prison. Et Nas et E-Moneybagz prennent tous les deux le combiné pour lui demander des nouvelles. Et j'adore cet outro puisque on sent vraiment une joie sincère et réelle des gars de se retrouver au téléphone après autant de temps. Yo, son, what up? What up, man? What up, my nigga? What up, my nigga? Maintaining? Know that, baby. My nigga. Pong. Yeah. This E-Moneybagz, baby. E-Moneybagz, what up, baby? What's the deal, Dunn? Ain't nothing, man. You holding it down, baby? I'm holding it down. Got to rep Queens to the fullest, baby. Word, baby. Rep Queens all day, every day. Donc retenez que Nas, Prodigy de Mobb Deep, ou 50 Cent entre autres, étaient vraiment ces gars sûrs. Mais la réalité c'est que E-Moneybagz, avant d'être un rappeur, était surtout et avant tout un gangster notoire. Et ça c'est un élément essentiel pour comprendre là où je veux en venir. Stack of fuel, E-Moneybagz, my attribute. When the drama came in, I had to clap a few. Stack of fuel, E-Moneybagz, my attribute. When the drama came in, I had to clap a few. Cause switch shoes with a thug. Plus make legit moves, man, it's like it's bug. Alors je reviendrai sur E-Moneybagz dans une prochaine vidéo que je consacrerai aux origines du beef entre Jay-Z et Mobb Deep. Puisque si vous voulez comprendre pourquoi Jay a fait un morceau comme Takeover en s'en prenant à Prodigy, a priori sorti de nulle part, il faut savoir qui est E-Moneybagz. C'est la clé de tout dans cette histoire. Néanmoins, retenez quand même une chose. L'écrasante majorité des rappeurs que vous et moi on voit à la télé et qui jouent les gros durs n'ont strictement rien de gangster pour la plupart. Je le disais très justement il y a peu, les vrais gangsters n'errent pas dans les studios et ne donnent pas d'interview à la télé, ils sont dans la rue. Alors ouais, certains rappeurs peuvent faire le choix de rester affiliés à des gangs, mais la majeure partie du temps c'est par souci de sécurité. E-Moneybagz faisait partie de ce pourcentage résiduel de rappeurs à être clairement en phase avec ce qu'il disait. D'ailleurs voilà ce que disait son cousin Big H de lui lors d'une interview sur Flip the Script. What type of nigga was E-Moneybagz? A straight street. Straight street nigga. Our whole movement, nigga. Cause you're not, y'all talking cold, I mean, so now I gotta pull out of y'all. What code we talking in? Yeah, what type of street nigga? Yeah. Drug dealer, sticker. Oh, he was a hustler. He was a hustler. Sticking shit, I mean, all that. All that shit. I heard. Yeah, you know, he was sticking shit, he was taking niggas down, he was doing all that. Nigga was a boss, my nigga. Since we met him, he was a boss. He was a boss in left rack. Shit, you know what I'm saying? You know what I mean? Rest in peace, Star Kim. Him and Star Kim was out left rack getting money. En d'autres termes, il était à la tête d'une équipe avec son associé Troy, donc Troy Singleton. Retenez son nom parce qu'il jouera un rôle important dans la suite de cette histoire. Bagz avait notoirement du sang sur les mains et beaucoup avaient littéralement peur de lui. D'ailleurs, dans son fameux titre Get a Coron, 50 Cent lance des big ups aux gros voyous de Queens, ce que d'ailleurs Supreme considéra comme du snitching pour avoir entendu son nom mentionné. Et dans Get a Coron, 50 a également une ligne pour E-Moneybagz et son associé Troy Singleton. I'm forgetting Lefty and Jazz, Pretty Tony and Lance, Head Luke, Mel's son, Troy and E-Moneybagz. Head Luke, Mel's son, Troy and E-Moneybagz. In a conversation over shrimp and lobster. La réputation d'E-Moneybagz s'est faite dans les années 90, en parallèle de rappeurs de qui il a toujours été très proche, d'abord et surtout Stretch,
et son frère Majesty, qui formaient le groupe Life Squad, qui étaient ses amis d'enfance. Vous connaissez certainement Stretch et Life Squad, de par leur forte affiliation à Tupac sur de nombreux titres. First, let me introduce you to the pod. This is my boy, Stretch, Big Stretch from the Live Squad. You know what I'm saying? Because we all over. We West Coast, East Coast, all that. Et donc, par voie de conséquence, E-Money Bags et Tupac étaient amis, comme en témoigne ce vieux cliché de 94, où on aperçoit E-Money Bags, Tupac, Stretch, Biggie et Ed Lover. Et pour vous, j'ai pu exhumer cette archive dingue de 94, de l'émission The Box sur MTV, où on y voit Tupac entouré par les gars de son groupe Thug Life, et Pac qui faisait la promo de leur album Volume 1, qui venait de sortir. Et je trouve cet extrait d'autant plus intéressant que Pac s'en prend très clairement aux gars du groupe Bone Thugs and Harmony, sans jamais les citer, mais en revendiquant la paternité du terme Thug dans Thug Life. Et ce qui est ouf dans cet extrême, c'est que si vous êtes très attentif, on aperçoit à l'arrière, juste derrière Tupac, Stretch et surtout E-Money Bags. Hey, you talking about how we came up, let's just talk about the groove where we came from. It's Radar. Yo, what's up, Box Talk? Macadoshi. What's up, Box Talk? Psych. Yeah, you know, it's Man Mo Free. Big Stretch in the back. I know people looking on TV, they going, wait a minute. Didn't I already hear a group called Thug something? I already heard about some thuggers, some kind of thug something on TV. Who is Thug Life? But this the original. We are the original thugs. Niggas talk all that and run to the trunk. That the, you ain't no gangster. You ain't no gangster if you woof it up and then the fight comes to you and then you run for some ammunition. De l'autre côté, E-Money Bags était aussi proche de Big, par l'intermédiaire de Pac, à l'époque où Pac et Big étaient encore amis. D'ailleurs, j'ai pu retrouver cette archive incroyable. C'est peut-être l'archive dont je suis le plus fier de toute cette série, où on aperçoit Big et ses gars de Junior Mafia lors du making of du clip Dead Presidents de Jay-Z. Et on y aperçoit très furtivement Jay, puis Big, qui lance un gros big up à E-Money Bags, lui-même présent dans une des seules archives vidéo où on l'entend très distinctement parler. Je précise simplement pour ceux qui ne le savent peut-être pas que The Firm à qui il fait allusion, c'est bel et bien le groupe de Nas, hein. Nas, AZ, Foxy Brown, The Firm. Alors je sais, vous me direz, bon, Dangina, c'est cool ce que tu nous racontes sur E-Money Bags, etc. Mais quel est le lien avec Murder Inc. et le sujet de ta série? J'y viens. Mais je suis obligé de vous présenter ces personnages de manière assez précise pour que vous fassiez partie de ceux qui comprennent cet aspect totalement méconnu dans la chute de Murder Inc. Le crew d'E-Money Bags a pris emploi à Queens dans la rue en même temps que la Supreme Team se délitait. Parce que comme je vous l'ai dit, Supreme était en prison sur la première moitié de la décennie 90 et qu'à sa sortie, la Supreme Team n'était plus ce qu'elle avait été dans les années 80. Parce que beaucoup de ces gars avaient été ou tués ou également incarcérés. Dans les années 90, lorsque Prime est sorti de prison, on agissait plus sous le nom de la Supreme Team, disait l'un de ses membres originaux. On était tous des criminels chevronnés et on tentait de garder la tête hors de l'eau. On continue à sortir et à faire nos affaires, mais à des années-lumière de notre niveau des années 80, et pour l'essentiel, en dehors de New York. A l'origine, Supreme et Bags étaient cool, ils n'avaient absolument aucun problème. Supreme étant l'ancien, le OG, et E-Money Bags incarnant une forme de relève si vous voulez. Néanmoins, le crew d'E-Money Bags et celui de Supreme vont connaître quelques altercations dans les années 90. Et en 1995, un incident mêlant Troy Singleton, donc l'associé d'E-Money Bags, va venir décupler l'hostilité entre les camps. Mais dans la rue, Troy Singleton était peut-être mieux connu pour son rôle dans un incident vécu comme une humiliation pour la Supreme Team. En juillet 1995, Troy et un acolyte avaient tué deux hommes, Pierre Mitchell et Jamal Adams, lors d'un match de basketball près de Baisley Park, en plein cœur du territoire de la Supreme Team.
Alors bien que Supreme et Bags n'étaient pas exactement de la même génération, ça n'empêche qu'ils étaient tous les deux considérés comme étant grosso modo du même calibre. D'ailleurs, je me souviens de ces dédicaces de Noriega sur un titre qui s'appelle All We Got Is Us, qui est d'ailleurs une tuerie que vous retrouvez sur le deuxième album de CNN, le fameux Reunion, sorti après la libération de prison de Capone justement. I know Crips, yo, Crips even be in Iraq. I know young bloods and niggas like OG Mac. I dropped out the 7th grade and I knew. Et sur ce son, Nori salue tous les gros gangsters de Queens qu'il a eu en modèle, de Fat Cat à Papi Mason, en passant par Supreme et E-Money Bags. Et la timeline est super intéressante puisque le Reunion de CNN sort en 2000 et il y a fort à parier que les gars enregistrent ce son courant 99, et c'est-à-dire avant que la situation connaisse une escalade entre le crew de Supreme et celui d'E-Money Bags. You know, in money bags, start coming wise. Niggas that's getting money. That I was growing up trying to be like. Et voilà comment les choses vont déraper. Dans ce qui sera initialement perçu comme un obscur règlement de compte vis-à-vis de la Supreme Team, en décembre 1999, E-Money Bags va personnellement exécuter un autre gangster du nom de Black Just. Or, Black Just, c'était qui ? Bah, ni plus ni moins que l'un des meilleurs amis d'enfance et l'un des plus fidèles lieutenants de Supreme. D'ailleurs, pour la petite histoire, Black Just est l'un des seuls membres de la Supreme Team à qui 50 Cent n'a jamais cessé de rendre hommage, même dans sa musique. Puisque comme il le raconte, plus jeune, Black Just a toujours été une espèce de grand frère pour lui. Puisqu'adolescent, 50 a longtemps pratiqué la boxe dans le club que dirigeait Black Just. Et donc Black l'a tout de suite pris sous son aile. D'ailleurs, voilà ce que disait 50 à propos de Black Just lors d'une interview publiée dans le numéro de septembre 2006 du magazine hip-hop XXL. À la base, je connaissais pas vraiment Supreme. Je l'ai connu par l'intermédiaire de Black Just. Black était cool avec moi. Il m'appelait Kurt lorsque tout le monde m'appelait Boubou, 50. Il finançait les cours de boxe. Pour moi, Black Just a toujours été le meilleur d'entre tous. Et il en a payé le prix. Il était l'un des soldats de Supreme, mais Prime était tout le temps en prison. Alors pour ceux qui auront été attentifs jusque là, vous aurez noté que 50 Cent avait une position très délicate dans toute cette histoire. Puisqu'il était à la fois le protégé de Black Just et également, comme je l'ai dit précédemment, le pote d'E-Money Bags. Aujourd'hui, il existe assez peu de photos de Black Just, comme d'ailleurs de pas mal de gangsters de cette époque. Mais sur ce cliché, par exemple, vous l'apercevez au fond, au centre, entre DMX et Jay-Z, lors d'un concert qui avait été donné au club Amazura de Queens en 98. Et là, vous l'apercevez accroupi au milieu, à côté de Nas. Donc, pour résumer, E-Money Bags avait donc tué le frère de cœur de Supreme. Dès lors, la rumeur qui d'ailleurs se confirmera voulait que Supreme avait mis un contrat sur la tête d'E-Money Bags. Ce meurtre, c'était trop pour Supreme. La mort de Black Just l'a ramené à ses vieux réflexes de gangster. Cette histoire a brisé Prime. Black était son pote, disait l'un des membres de la Supreme Team. En plus, E-Money Bags se vantait dans la rue d'avoir tué Black Just et ça faisait péter un câble à Prime. Prime voulait buter E-Money Bags, lui régler son compte et avec Prime, on pouvait s'attendre à tout. Il voulait lui faire payer ce qu'il avait fait, disait l'un de ses associés. Alors une rumeur voulait que dans le remix de son titre, Regulate, E-Money Bags faisait allusion au meurtre de Black Just. Et si vous vous renseignez encore aujourd'hui sur ce titre, vous trouverez cette rumeur qui persiste, tout simplement parce que certaines lignes de Bags sont particulièrement troublantes. Mais par mes recherches, je peux vous dire aujourd'hui que cette rumeur est complètement fausse, puisque ce texte a été écrit et enregistré avant la mort de Black Just. Néanmoins, pour ce son, en featuring avec Prodigy de Mobb Deep, je résiste absolument pas au plaisir de vous en passer un court extrême. Et pour tous les rappeurs en herbe qui viendraient à regarder cette vidéo, je vous invite également à prêter une attention toute particulière au couplet de P, qui est d'une violence déconcertante. Man, I sent the death note. Diamonds on my casket as they place me in the fifth row. Power mark, and that's how this goes to lie depart. Since the days of Cisco, the guard was hard. Francisco dropped the price of the pies. Ice in my eyes. I threw the dice, I had them twice in the thighs. You heard? Queens niggas regulate.
We let the fake hesitate. You can't hold your weight, we take your place. Queens niggas regulate. We let the fake hesitate. You can't hold your weight, we take your place. Queens niggas regulate. We let the fake hesitate. You can't hold your weight, we take your plate. Queens niggas regulate. We let the fake hesitate. You can't hold your weight, we take your space. Yo, spit fire with words, our niggas is herbs. Conceal hecklers underneath Nordic levers. Pop guns like the 4th of July or midnight. December 31st is real, my niggas the worst. Call y'all niggas, you just a body bag fag who belong in a box. Alors je vous demande de garder la timeline bien en tête pour comprendre cette histoire. Dans la foulée du meurtre de Black Just, 50 Cent sera lui-même victime d'une fusillade qui le laissera pour presque mort en mars 2000. Dans une série que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube, j'avais déjà longuement expliqué les raisons pour lesquelles Supreme avait commandité la tentative d'assassinat contre 50 Cent. Maintenant, gardez bien en tête, E-Money Bags, c'est le gars de 50. E-Money Bags. And he was a friend of mine, you know, he used to call me, we kick it, talk on the phone, shit, official street niggas, you know what I'm saying? Mais depuis la mort de Black, la guerre était ouverte entre le crew de Supreme et celui d'E-Money Bags. En parallèle, depuis la fusillade contre 50 Cent, Supreme et ses gars de Murder Inc. étaient engagés dans un combat à mort contre 50. Donc pour résumer, E-Money Bags et 50 Cent étaient, bien que pour des raisons totalement différentes à l'origine, sur la même longueur d'onde vis-à-vis de Supreme et de son équipe. Dans les semaines qui vont suivre la tentative d'assassinat contre 50 Cent, E-Money Bags va contacter 50 pour lui dire « Gars, je suis à 100% derrière toi dans cette histoire », sous-entendu contre ceux qui t'ont fait ça, c'est-à-dire Supreme et tous ceux qui sont derrière lui. He was making mad noise, so he had got quiet. You know what I'm saying? He did how to rob. Right. Then he did a what? Then, get then he got hit up. He got hit up. So you know he out for a minute. You know what I'm saying? So how long he was quiet for after he got shot? He wasn't crying long. You know what I'm saying? Maybe he had to recoup and then come back. Yeah. Why he recouping? But remember, he was dropping shit like boom every week. You hear some new freestyle from this nigga. Like, and you didn't hear nothing from this nigga like a month and a half. He's like, yo, what the fuck, man? What the fuck is up with your fucking man, man? You tell him. He fucking scared or something? What the fuck? He like, yo, I don't know. You know what I'm saying? Let me call this fucking nigga. He's doing E-Money Bags, right? Yeah. He called. Now, this 50 get hit up. You know what I'm saying? So we in the car one day, we smoking. I'm like, yo, 50 ain't really all that. Now, he's, you know, he popping in Queenstown. I'm like, yo, what's up with your man 50? He like, yo, I don't know. I'm like, what the fuck? Niggas got him scared and shit. He ain't ready to put out nothing. He like, I don't know what's up. Then he calls him. Yo, Fifth, what's up, man? The fuck is up, man? Man, you better go at these niggas, man. We with you 110%, nigga. 50 like, word for real? Like, yeah, we behind you 110%. 50 start going at all these niggas, man. What are you talking about? Talking to Ja Rule and Ja Rule, Preem. Donc en partie, à cause des contentieux personnels qu'il avait avec Supreme, et aussi par affiliation avec 50 dans son beef contre Murder Inc., le crew d'E-Money Bags continuait encore à chercher la confrontation avec les mecs de la Supreme Team. Dans son livre, Ethan Brand revient sur un incident qui s'est déroulé en 2001, en marge de l'anniversaire d'Irv Gotti. Lors de la fête d'anniversaire d'Irv Gotti au printemps 2001, une équipe de voyous de Queens a débarqué à la soirée en espérant croiser Supreme, raconte une source proche de Murder Inc. Cette bande était celle de Troy Singleton, Eric Smith dit E-Money Bags et Nathan May dit Green Eyed Born, un ex-membre de la Supreme Team. Ils voulaient voir Prime pour le claquer, et puisqu'il ne s'est pas montré, ils s'en sont pris à Ron Robinson dit Gutter, qui était à l'extérieur à ce moment. Gutter était le manager de Ja Rule. Il a été frappé à la tête à coups de crosse d'armes à feu, mais sous l'influence d'extasie, il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Le groupe d'hommes n'a pas pu entrer là où se tenait la fête. Cependant, ils ont réussi à arracher une chaîne Murder Inc. avec laquelle ils sont repartis en guise de trophée. Irv était déçu par Prime. Il racontait partout que c'était un gangster qui mettait tout le monde au pas. En fait, c'était plutôt lui qu'on mettait à l'amende. Prime est allé jusqu'à proposer de payer pour qu'on leur rende la chaîne. Bien qu'Eric Smith dit E-Money Bags n'était pas présent en personne à la fête d'anniversaire d'Irv, il était évident qu'il devenait un sérieux problème pour les plus grandes figures du monde hip-hop et de la rue. Donc leur affiliation à Supreme avait fait de Murder Inc. une cible de choix pour le crew d'E-Money Bags. Et pour que vous compreniez bien l'extrait que je vais vous lire dans un instant, retenez
Le prodigy de Mobb Deep, c'était un ami très proche d'E-Money Bags. Et le crew d'E-Money Bags était, pour les raisons que je vous ai expliquées, en guerre ouverte contre la Supreme Team, à laquelle Irv Gotti et Murder Inc. étaient directement affiliés. Néanmoins, et c'est ce qui sera à l'origine de l'idée que l'un des rappeurs de Murder Inc. était un traître, voilà ce que raconte Prodigy dans ses mémoires. J'ai reçu un appel d'E-Money Bags, alors je suis allé dans le couloir pour parler. Quand j'ai dit à E-Money Bags que j'étais au studio d'Irv Gotti, il m'a dit « Dis à Irv qu'E-Money Bags lui demande quoi de neuf. T'inquiète, il me connaît. » Alors j'ai répété à Irv ce qu'E-Money Bags m'avait dit et là, l'expression de son visage a brusquement changé. Tout à coup, il était devenu nerveux, je me demandais pourquoi. E-Money Bags m'avait dit que Irv était le DJ du coin en fait de quartier à l'époque et qu'Irv et Ja n'étaient des gangsters que dans leurs chansons. Irv Gotti et Ja Rule étaient des moins que rien dans le quartier et maintenant Supreme les a pris sous son aile. Le lendemain, dans son SUV Navigator, E-Money Bags m'a tendu son beeper en me disant de regarder le message. Il était de Cadillac Ta, un membre du label de Ja Rule. Ils sont par ici en ce moment, viens les choper. Cadillac faisait référence à Ja et Irv. T'as vu ça, dit E-Money Bags en se tournant vers moi. Leur propre gamme les sert sur un plateau. On vient de voler les chaînes de ces négros. Ces révélations de Prodigy parues dans son livre en 2011 ont particulièrement froissé le camp Murder Inc. Mais la réalité, c'est qu'en 2008, P avait déjà fait allusion de manière très subtile à cet événement dans son titre Veterans Memorial Part 2, présent sur son album HNIC 2, même s'il est vrai qu'à cette époque, il avait eu la prévenance de ne pas citer tous les protagonistes nommément. It was me and Money Bags up in Champion Motor. I was Ferrari dreaming. He copped the Navigator on the way there and back. He told me about the jokes. Him and Troy took them niggas for they shine, had them shook and hype. Him and Troy took them niggas for they shine, had them shook and hype. Ok, alors là je sais, vous vous dites c'est une dinguerie. Mais si je dois adopter une démarche honnête, je me dois de vous présenter les versions des deux parties. Et Cadillac Ta sera plusieurs fois interrogé sur le sujet. Sa réponse est assez curieuse. Je vous laisse l'écouter. The Prodigy's book. I'm pretty sure you heard about what Prodigy said. Okay. Chapter 8. I listened to the audiobook at 56 minute 24 mark. He said that you sent Troy a page saying that Irv and Ja Rule. And he didn't say, see, get your shit right. Cause he. I heard it. He didn't say Troy. He said E-Money Bag. E-Money Bag. Pardon me. Sorry. Mm. Troy's in my head. Pardon me. E-Money, thank you very much. E-Money Bags. He said you sent E-Money Bags a text and said them niggas is here now. Is that true? Right. Come on, hell no. Hell no. Hell no. Why the fuck would I do that? I mean, and then when you heard your name, you were surprised. Cause I didn't know you talked about it. I was surprised. I'm like, nigga, what? Cause number one, like I said, I didn't fuck with Bags. You know what I mean? I knew him. Cause that was Troy. That was Troy, man. Mm-hmm. So I seen him a few times. I knew him. I spoke to him because of Troy. You feel what I'm saying? Mm-hmm. But I didn't have no relationship with homie at all. Not like that. Mm-hmm. And that's just real talk. So what the fuck would I look like telling this nigga, yo, somebody is over there? I ain't getting nothing out of that. If I'm like I said again, it ain't my jacket. I ain't never lined a nigga up a day in my life. But if I was gonna line a nigga up, it wasn't gonna be for a nigga who I don't know. I got killers and robbers in my team. If I was gonna do that, them niggas was gonna go eat that food. Not this nigga. Why the fuck would I do that? Bon, à ce stade, on pourrait se dire fin de l'histoire. Et l'explication de Cadillac Ta semble plutôt convaincante. Et je me serais arrêté là d'ailleurs, si j'avais fait cette série quelques mois plus tôt. Mais un nouveau témoignage est venu bouleverser toutes mes croyances. Ce sont les propos d'Irv Gotti lors de son passage à l'émission Drink Champs de Noriega. Après ça, je vous avoue que je sais plus véritablement qui croire. Je vous laisse écouter ce qu'Irv Gotti disait et je laisse chacun opter pour la version qui lui semblera la plus crédible. You know, the tour and everything that we trying to do, she would be a part. All the artists that are inked. Yeah, all the artists would be a part of it. All of the artists. You talking Black Child, how about Cadillac Ta? Because Cadillac Ta was implicated in the Prodigy book of like something like. Yeah, that I didn't like. Yeah, I don't think any of but y'all. But Caddy will be there too. So you have since worked that out? I mean, we ain't gonna work nothing out, but Caddy will be there too.
Okay, I got confused on that one. That was a little confusing. Nah, what it is, business is business. Yeah, all bullshit aside. Right, that's real. You just go ahead, get your money, perform or whatever, but I'm never going to trust you again. You know, I seen Prodigy, you know, God bless. I seen Prodigy at this club called, what the fuck? It was on Monday nights, Griffin, in New York. It was a hot Monday night club. And, you know, he came over and he was like saying, how do I feel? Like, am I cool? No, but listen, I said, yo, one thing, I want to ask you one thing and one thing only. I said, you said that shit with Caddy because he was like, this nigga was texting the other side where we was at. And it was an incident that I ain't going to explain. That's too gangster for drink champs that happened that made us all wonder, how did they know where we was at? Mm. So when Prodigy said that, he put like the pieces of the puzzle together on why these certain group of niggas knew where the fuck we was at. Mm. And like they had did something. That they paid for. You know what I'm saying? But we always wondered, how the fuck they know where the fuck we was at? La vérité dans cette histoire est consternante, puisque dans ses mémoires, Prodigy dévoile la véritable raison qui a amené E-Money Bags à tuer Black Just. Et quand j'aurai fini de vous raconter toutes les conséquences de cette histoire, vous verrez qu'elle est dure à croire. Avant même que je paye Money Bags pour sa chanson dans la bande originale de mon film Murder Music, il avait pour projet d'acheter une voiture à cette fille qui s'appelait Z. Z avait été élève à l'école de danse de ma grand-mère et vendait des voitures de luxe à des prix réduits pour le compte de sa prime. Capone de QB, le même Capone de CNN, lui avait acheté une Mercedes blanche au phare escamotable quelques mois plus tôt. E-Money Bags avait donné 1 000 $ en guise d'acompte à Z. Quand je lui ai donné les 2 500 $ que je lui devais, il a décidé qu'il préférait se faire rembourser pour acheter une voiture en règle, un Navigator à la place. Faudra que t'ailles voir ça directement avec Supreme, parce qu'il m'a dit de rien prendre, lui a dit Z. Supreme avait envoyé balader E-Money Bags comme si c'était une merde. E-Money Bags était membre d'un gang baptisé les Young Guns à Jamaica Queens à la fin des années 80. Un jour, son équipe avait pris part à une grosse baston au cinéma Sunrise Multiplex contre un autre gang de Jamaïca, les Lost Boys. Des coups de feu étaient partis et quelqu'un était mort d'une balle dans l'œil. E-Money Bags était le tireur. C'est à cause de lui que Cinema possède des détecteurs de métaux encore aujourd'hui. E-Money Bags m'a raconté qu'un jour, alors qu'il sortait du centre commercial Coliseum sur l'avenue de Jamaïca, il a vu Supreme. Il était garé dans un Land Rover avec un autre membre bien connu de la Supreme Team, Black Just, assis à l'avant, siège passager. E-Money Bags s'est mis à tirer des coups de feu sur le Land Rover. Ce n'est qu'après qu'il a su qu'il avait manqué Supreme et que ses balles avaient atteint Black Just au niveau du haut de la cuisse. Au lieu de conduire Black Just à l'hôpital, Supreme l'avait ramené au quartier, à 10 minutes de là où s'était déroulée la fusillade. Là-bas, il avait demandé à quelqu'un de reconduire Black Just sur les lieux des faits pour ne pas avoir à être interrogé par les policiers. Black Just est mort en se vidant de son sang. Si Supreme l'avait laissé à l'hôpital Marie Immaculate, juste au coin de la rue où s'était tenue la fusillade, Black Just aurait pu survivre. D'après E-Money Bags, 50 Cent pensait aussi la même chose d'Herb et Ja, et lui non plus ne s'entendait pas avec Supreme. Lorsque 50 a fait ses premiers pas dans l'industrie, avec des chansons s'en prenant à Herb et Ja, Supreme avait mis un contrat sur la tête de 50. C'est pour ça que 50 s'est fait tirer dessus. E-Money Bags savait que Supreme avait mis un billet sur sa tête aussi pour avoir tué Black Just, mais il disait que c'était lui qui tuerait Supreme en premier. Pendant qu'E-Money Bags parlait, je me disais, maintenant je comprends ce que mon pote Green Eyes me racontait. Et pourquoi Irv Gotti semblait avoir vu un fantôme lorsque je lui ai dit être au téléphone avec E-Money Bags. Et pourquoi Ja Rule jouait les durs pendant la tournée des Limp Bizkit. Il imaginait que Supreme serait là pour le protéger. Dans les temps qui suivront le meurtre de Black Just, deux théories vont s'affronter dont pour lesquelles je n'ai honnêtement pas réussi à identifier de manière certaine la bonne, malgré mon taf de recoupement des versions. La première théorie veut que, après que Supreme ait lancé un contrat sur la tête d'E-Money Bags, Bags ait commencé à se planquer dans New York.
Lors des 19 mois qui ont suivi le meurtre de Black Just, Supreme a confié à des associés qu'il essayait de retrouver E-Moneybags pour le tuer et venger la mort de Black Just. E-Moneybags se savait recherché, c'est pour ça qu'il se cachait. La deuxième théorie veut que Bags ait clairement assumé son acte et soit simplement mis à bouger dans New York de manière plus prudente, son flingue constamment chargé sur lui. Niggas had a hit on them, niggas had money on them, so they was combing the hood. So anytime there's an east site and niggas going, you know what I mean? They was combing the hood for months looking for him, you know what I'm saying, or whatever, but he just, you know. He wasn't hiding He wasn't all. Hiding, it's just he come out at night and you, he wasn't stable nowhere. Plus tard, la relation de Murder Inc. avec Supreme posera question dans la suite de cette histoire, puisque la suite, voilà comment Prodigy la raconte. Majesty, à qui il est fait allusion dans cet extrême, était l'un des membres du groupe Live Squad avec son frère Stretch, tous très proches de Tupac à l'époque de ses albums Strictly for My Niggas et Thug Life Volume 1. Majesty était l'un des meilleurs amis d'E-Moneybags. Ensemble, ils avaient monté le label Grand Imperial Records. Quant à Avok, c'est bien entendu le second membre du duo Mobb Deep. Et voilà ce que raconte Prodigy dans son livre. Peu après que me soit décerné un disque d'or pour mon album H&IC, E-Moneybags et moi sommes allés voir Avok à Freeport. Après le cambriolage qui avait eu lieu chez lui, son oncle Lamik lui avait donné deux pitbulls, prénommés Black et Blaze. Les chiens couraient dans le jardin et aboyaient sur toutes les personnes qui passaient à proximité, plus particulièrement les facteurs et les livreurs. Tandis qu'on arrivait près du portail, les chiens sont devenus dingues, comme s'ils voulaient tuer Bags. Ils semblaient fous et aboyaient comme jamais avec une haine dans les yeux. J'ai pas réussi à les maîtriser, et Avok non plus, donc E-Moneybags n'a pas pu entrer dans la maison. Avok n'avait encore jamais rencontré Bags, du coup il est venu jusqu'à ma voiture, et là on a un peu discuté. On était sur place donc je tenais à les présenter l'un à l'autre. E-Moneybags et moi sommes retournés à Queens. On a garé la voiture devant la maison de Majesty à Hollis. On s'est posé dans le navigateur de Bags où on a joué à la PlayStation pendant un moment. Je dis à Bags, je viendrai te chercher demain de bonne heure pour qu'on commence à taffer sur notre mixtape. Il m'a répondu cool, appelle-moi quand tu te lèves. Je suis descendu du SUV pour remonter dans mon véhicule. J'allais rentrer tôt à la maison pour une fois. Le lendemain matin, j'ai appelé Bags pour savoir s'il était debout et prêt, mais une autre personne a décroché son téléphone. J'ai demandé E d'un ton plutôt surpris. Non, ce n'est pas E, qui est-ce? C'est P, je voudrais parler à Bags. C'est la police à l'appareil. Tu découvriras vite ce qui est arrivé à E. J'ai raccroché direct. J'ai pas réussi à joindre Majesty sur son téléphone, donc je suis allé chez lui dans la soirée. Lui et d'autres étaient assis sur les marches de la porte d'entrée, avec une grande bouteille d'Hennessy et des verres en plastique. Majesty m'a dit que sa famille avait préparé un barbecue un peu plus tôt dans la journée. E-Moneybags avait garé son SUV Navigator près de la maison de Majesty comme d'habitude, et ils ont fumé de l'herbe dans la voiture pour ne pas être vus des enfants. Puis Majesty s'est dépêché de retourner à la maison pour prendre une assiette avant qu'il ne reste plus rien à manger. Et là, quatre hommes armés se sont dirigés vers le Navigator par derrière et ont ouvert le feu. La voiture et le corps d'E-Moneybags ont été criblés de balles. Des balles perdues ont atteint la maison de Majesty et presque touché les enfants dans le jardin. E-Moneybags est mort, son arme à la main. Il les a certainement vus arriver, mais c'était trop tard. Je voulais pas pleurer, mais c'était dur de me retenir. Je pouvais pas m'en empêcher. En regardant Majesty, j'avais mal pour lui. Il avait perdu son frère Stretch, assassiné à Hollis dans les années 90, peu de temps avant Tupac. Quelqu'un avait tiré sur sa fourgonnette et la voiture s'était écrasée contre un arbre. Et maintenant, il venait de perdre son meilleur ami Bags. En retournant chez moi, je me suis souvenu à quel point les chiens d'Avok étaient devenus fous quand ils avaient vu Bags la veille. Serait-il possible qu'ils aient pressenti quelque chose? Peut-être bien qu'E-Moneybags dégageait cette énergie funeste que les chiens ont pu sentir. Repose en paix, mon négro. Dans son livre de Supreme Team, Seth Ferranti apportait des précisions quant aux conditions exactes du meurtre d'E-Moneybags. Le 16 juillet 2001, E-Moneybags a été tué dans son SUV Navigator, garé près de la rue Witoff et la 111e rue à Queens. L'exécution avait été scrupuleusement préméditée. Il a été surpris par un groupe de personnes, comme dans la scène du film des frères Hughes, Dead Presidents. Tomika, la copine d'E-Moneybags, a dit aux enquêteurs que tout le monde pensait que sa prime était derrière le meurtre. Personne n'arrive à comprendre pourquoi Prime n'a pas fait appel à quelqu'un de Queens pour mener le coup.
Ils devaient tous avoir peur d'E-Moneybags, raconte-t-on, dans le quartier du Southside, à Jamaica, Queens. La rumeur veut que la bande qui a exécuté le contrat était d'Harlem. La police en a rapidement déduit qu'il s'agissait d'un assassinat commandité sur fond de règlement de compte. Après le meurtre, Supreme aurait dit à des amis que Black Just pouvait enfin reposer en paix. Alors il y a quelques années, des images filmant le corps sans vie d'E-Moneybags ont fuité sur internet. Vous comprendrez juste après d'où est-ce qu'elles proviennent. J'ai mis un petit peu de temps avant de les retrouver. Néanmoins, je précise que ces images peuvent peut-être en heurter certains, donc pour les plus sensibles d'entre vous, vous pouvez peut-être passer cette courte partie de ma vidéo. Money bags, the mafioso type. Gonna host the strikes, be going down niggas' backs. Lung collapse when I be strapped. Basketball's my witness. Chess and Mars addictions got me ready. Malgré les premières dénégations de Supreme, les investigations de la police confirmeront qu'il était bien le commanditaire du meurtre d'E-Moneybags, afin de venger la mort de son ami Black Just, et surtout de rétablir son autorité, après les différentes menaces que faisait peser Bags sur Murder Inc. Les policiers avaient mis la main sur une vidéo cruciale pour leur enquête. Les images montraient E-Moneybags au volant de sa voiture sur la 111e rue, 4 jours avant d'y être assassiné dans son Navigator. L'enquêteur William Courtney de la brigade des stupes de New York et un agent du FBI avaient noté dans un procès-verbal que cette vidéo avait été sans nul doute enregistrée en préparation du meurtre d'E-Moneybags. Par expérience, je pense que ces images ont été prises en préparation du meurtre d'Eric Smith, disait William Courtney dans son rapport. Un témoin plutôt fiable de l'enquête indiquait à la police que Supreme avait reconnu avoir pris part à l'assassinat d'E-Moneybags en représailles du meurtre de Colbert Johnson alias Black Just le 11 décembre 1999, ajoutait-il. Un couple résidant à Queens, répondant au nom de Dennis Crosby, alias Devine, et Nicole Brown, avait été inculpé dans le cadre du meurtre d'E-Moneybags, dont Supreme était le commanditaire présumé. Dennis Crosby et Nicole Brown avaient filmé E-Moneybags avant le meurtre depuis leur appartement, déclarait un porte-parole de la police. Nicole Brown avait reconnu à la police que quelques jours avant le meurtre d'E-Moneybags, Devine avait apporté une caméra à la maison et avait filmé Bags alors qu'il retrouvait des amis dans la rue de Nicole Brown. Devine appelait Nicole Brown tous les jours pour organiser des communications à trois avec Supreme. Les deux avaient aussi été inculpés de trafic de drogue pour le compte de l'organisation de Prime. C'était la première de nombreuses mises en examen décidées par le FBI à l'encontre de Supreme, Murder Inc. et leurs associés. Mais Supreme n'en avait pas fini, puisqu'il avait d'autres comptes à régler parmi ceux qui avaient un jour fait offense à la Supreme Team et à Murder Inc., notamment le cas de Troy Singleton, l'associé d'E-Moneybags qui, je vous rappelle, avait été mêlé à un incident le confrontant à la Supreme Team quelques années plus tôt et qui surtout avait humilié Murder Inc. en agressant le manager de Ja Rule. Troy Singleton alias Big Nose, un autre voyou de Queens, était la troisième victime. Il avait été tué le 28 octobre 2001. Méticuleusement exécuté à l'extérieur d'un bar sur Liberty Avenue, le club Van Vick à South Jamaica. Big Nose avait été touché à 8 reprises, son corps criblé de balles. Troy Singleton avait été prétendument éliminé pour avoir tué 2 hommes lors d'un match de basket en juillet 95 à Baisley Park Houses, le territoire de Supreme. On racontait qu'il avait tué Pierre Mitchell et Jamal Adams. Avant qu'il soit tué, Troy se plaisait à attendre les gars de Supreme à l'extérieur des bureaux d'Universal sur Broadway pour les agresser. Troy s'en prenait à tous ceux qui avaient un lien avec Supreme. Il aurait prétendument pris en étau Ron Robinson alias Gutter, le manager de Ja Rule, avant de le gifler. Lorsque la justice mènera des investigations pour remonter jusqu'aux auteurs du meurtre d'E-Moneybags, Irv Gotti et Murder Inc. seront directement cités dans les éléments retenus à charge contre Supreme. En 2001, les procureurs disaient que Supreme avait payé un certain Manny Dog, tueur à gages d'Harlem, pour tuer E-Moneybags en représailles du meurtre de Black Just. Les procureurs précisaient qu'après l'assassinat, Supreme avait envoyé un message à Irv Gotti disant « T'as manqué la fête ». Selon Love, ex-membre de la Supreme Team, Prime lui aurait dit, parlant des coups de feu reçus par E-Moneybags, « Ça a étincelé comme un jour de fête nationale ».
Sans surprise, cette formule sera largement reprise par les médias lors du procès de Supreme. Manny Doig a aussi confirmé que Supreme l'avait approché à l'été 2001 pour faire tuer Troy Singleton. Il voulait le voir mort pour avoir emmerdé Murder Inc. Love a également souligné que Prime craignait Troy Singleton, puisqu'en tant qu'associé d'E-Moneybags, il aurait pu chercher à le venger. Alors ces événements marqueront durablement la scène new-yorkaise du début des années 2000, et plus particulièrement les rappeurs de Queens. Pour preuve, comme vous l'avez compris par mon récit, 50 Cent avait une position très délicate dans cette histoire, à la fois avec E-Moneybags, mais aussi avec Black Just. Ce qui explique que dans les mots de remerciement de son légendaire premier album, Get Rich or Die Tryin, 50 Cent rend hommage aux différents protagonistes de cette histoire. Et après avoir remercié Chris Lighty, Violator, Jimmy Iovine, Dr. Dre ou Eminem, les tout derniers mots de 50 sont R.I.P. Black Just, R.I.P. E-Moneybags et R.I.P. Troy Singleton alias Outlaw. Prodigy de Mobb Deep rendra hommage à E-Moneybags dans plusieurs titres, comme par exemple dans son son Am I Crazy, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son album collaboratif Product of the 80s avec Un Pacino et Big Twins. Nas et Jay-Z sont également cités dans cet extrait, puisque tous les deux avaient une relation assez particulière avec E-Moneybags. My nigga E Money Bags R.I.P. He told me back in 99 this was gonna be. We both tried to tell Nas, but Nas was doing him. His little brother Jungle was the only one that listened. Yup, Jay-Z and Jazzo know. Jay-Z chose to ride with the other side though. The man... Avec Jay-Z, l'embrouille aurait pu aller loin. Et concernant Nas, c'est vrai que c'était le gars du Money Bags, mais des frictions étaient apparues en 2000, qu'heureusement ils ont pu aplanir avant. Néanmoins, les gars d'E-Moneybags garderont longtemps une rancune tenace vis-à-vis de Nas, puisque comme à son habitude pour ceux qui le connaissent, Nas ne daignera pas se pointer aux funérailles d'E-Moneybags, arguant de son éternel prétexte « je ne supporte pas les funérailles ». Nas restera un temps silencieux par rapport à toute cette situation, avant de rendre hommage à E-Moneybags, d'abord dans les lignes de remerciement de son album Godson, puis enfin sur son titre Rest of My Life, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son excellent album Street Disciple de 2004. Rest in peace, money bags. Rest in peace, money bags. No more cabs, got caught with the ratchet in the stash, lawyer want cash. Si t'apprécies notre taf et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci, alors participe au développement de notre chaîne en contribuant par le montant que tu souhaites à notre compte Tipeee, dont tu retrouveras le lien un petit peu plus bas dans la description de la vidéo. En attendant, bonne suite de programme et merci d'avance. Alors je tenais à rendre un hommage appuyé à Murder Inc. dans cette série. Un label qui a écrasé la concurrence au début des années 2000, mais qui reste encore trop souvent snobé par les prétendus tenanciers d'un rap hyper orthodoxe. Et si cette série devait avoir un seul mérite, ce serait celui de vous faire réécouter les albums Murder Inc. sans les préjugés. Et sans dire qu'ils sont tous bons, si je devais vous en conseiller au moins 3, je vous conseillerais premièrement la première compile Murder Inc., Irv Gotti Presents The Murderers, parce que tout simplement de tous les projets Murder Inc. confondus, c'est celui que je préfère. Deuxièmement, je vous conseillerais le premier album de Ja Rule, le Veni Viti Vici, qui reste, à mon avis, le meilleur album de sa discographie. Et enfin, troisièmement, je vous conseillerais un qui passe un peu sous les radars. C'est la bande originale du film Fast and Furious 1 qui était produite par Irv Gotti et Murder Inc. Alors c'est une bande originale qui est à la fois rap et R&B, donc faut simplement pas être allergique au chant, mais cette BO reste très lourde. Stretch down to air shit out. Make you a man, show your heart when I tear it out. They say hustling is the key to success. It's fuck how many thugs, the players and ballers in it. Brick City, Shaolin, better call the sinners. Boys that'll run up in your white mall and spill it. I just wanna take the time tonight. Oh, yeah. Keeping your body tight. Keeping you warm. Warm, yeah. Nothing's gonna stop this.
Ensuite, comme vous l'avez compris, le rôle de 50 Cent dans le déclin de Murder Inc. est très largement surestimé. Déjà dire d'un rappeur, quel qu'il soit, qu'il ait pu enterrer un label qui générait des centaines de millions de dollars, ça n'a strictement aucun sens. Vous l'avez compris, 50 était une marionnette. Les vrais décideurs sont en haut, sont des gens comme Doug Morris, comme Sylvia Rhone, des gens dont vous connaissez peut-être même pas le visage, mais que tous vos rappeurs préférés connaissent parfaitement. Du coup, à la question, est-ce que 50 Cent a pu détourner les fans de Murder Inc. avec des singles comme In Da Club? Ma réponse à moi, elle est simple, elle est claire, non. Non pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, c'est vrai qu'après la sortie du Get Rich de 50 Cent, Ja Rule a eu un flop avec son album Blood In My Eye de 2003. Mais n'oublions pas qu'il est revenu tout de suite après en 2004 avec son album Are You Ali? Et que tout le monde fredonnait le refrain d'Ashanti R. Kelly sur Wonderful, que tous les gars bougeaient lourdement la tête sur New York avec Kiss et Joe. Just for sport, cause we ain't playing up here in New York. I got 100 guns and 100 clips, nigga, I'm from New York. Enfin, il faut quand même pas l'oublier, mais Murder Inc. ne se limitait pas qu'à Ja Rule. Et après l'avènement de 50 Cent et de son premier album, Murder Inc. a fait sortir plusieurs albums très lourds. Et je pense notamment aux albums Concrete Rose et Collectables d'Ashanti. L'album Collectables d'Ashanti est certainement l'un des meilleurs albums de remix R&B sur cette période qui m'ait été donné d'entendre. Get crazy. As I sit back, relax, reminisce where y'all was at. I'm giving you the feeling like we bringing big back. Baby, what you're going through? Know that I'm here for you. You don't ever have to worry about it. I stop and think how life could be so raw. Be so raw. Deserve all my status as if I didn't sweat blood and tears to have it. I grabbed it, so I don't know why they mad at it. I'm glad it, cause me and my team, we make. Et à côté, le premier album de Lloyd reste un classique, comme je le disais. Et je me lasserai jamais de réécouter le remix de son titre Southside avec ce qui est peut-être mon rappeur préféré en featuring. Donc en fait, si je devais répondre à un sujet de dissert, je dirais qu'il n'y a pas eu de chute de Murder Inc. mais plutôt un déclin progressif comme tous les autres labels de rap. Je sais qu'en disant ça, je retire un petit peu de sensationnel à cette histoire et que je m'écarte du discours traditionnel, mais tous les faits que je rapporte sont documentés. J'irai même plus loin en vous disant que le règne de Ja Rule avec Murder Inc. est peut-être l'un des plus performants en termes de trajectoire. Il y a un truc qu'on a très souvent tendance à oublier dans le rap et même dans la musique de manière plus générale, c'est que le succès fonctionne en termes de cycle, peu importe la popularité de l'artiste. Et je suis persuadé, alors là c'est une intime conviction qui vaut ce qu'elle vaut, mais je suis persuadé que 50 Cent ou pas 50 Cent, Murder Inc. se serait essoufflé précisément autour de 2003. Pourquoi ? Prenez n'importe quel gros vendeur hip-hop. Je parle pas de l'artiste qui était juste un petit peu populaire et qui vendait 1 ou 2 millions ici ou là. Je vous parle de l'artiste qui va, un temps durant, incarner à lui tout seul ou presque la tête de gondole du hip-hop. L'histoire nous montre que, statistiquement, un règne absolu dans le hip-hop ne peut pas s'étaler sur plus de 3 à 4 albums consécutifs. Ça a été vrai avec 50, avec Wayne, avec DMX, etc. Même pour un mec comme Eminem, qui est certes seul dans sa propre dimension, mais si vous prenez le gap entre Encore et Relapse, alors ok, c'est Eminem. Il passe de 11 à 12 millions d'exemplaires vendus à 3-4, ce qui reste dans l'absolu exceptionnel, mais proportionnellement parlant, la chute est quand même là. Et lorsqu'on parle de Ja Rule, ses 4 premiers albums sont tous à minima 2 à 3 fois disque de platine. Le Veni Viti Vici, le Rule 336, le Pain Is Love et le Last Temptation. Ja Rule a eu ses 4 albums comme tous les autres. Et cerise sur le gâteau, il est peut-être même l'un des seuls à avoir réussi un comeback en 2004 avec son album Are You Ali, alors que tout le monde l'annonçait prétendument dead depuis son album Blood In My Eye de 2003. Aujourd'hui, il existe un niveau de mépris autour du personnage de Ja Rule, comme très peu de rappeurs de son rang ont été victimes.
Et c'est pas tant ce dédain qui me dérange, puisqu'en réalité, on a tous des artistes qu'on n'apprécie pas forcément. Pas parce que c'est nécessairement mauvais, mais parce que c'est de la musique et que c'est peut-être pas à chaque fois notre style. Mais dans le cas de Ja Rule, ce mépris est bien souvent totalement injustifié. Parce que je pense sincèrement que très peu connaissent réellement la musique de Ja Rule. Et je précise que connaître la musique d'un artiste ne se limite pas qu'au single. Vous preniez LL Cool J dans les années 90, entre les ambiances très lover de ses singles et les ambiances de ses albums, c'était bien souvent deux histoires complètement différentes. Donc si je devais faire un plaidoyer ici, ce serait pour m'attaquer à un phénomène tellement répandu dans notre communauté. Le fléau de tous ceux qui parlent d'artistes et d'albums qu'ils n'ont jamais écoutés. S'il vous plaît, avant de s'épancher sur internet pour dire combien vous détestez un artiste ou un album, prenez simplement le temps de l'écouter, de préférence sur un album entier, de manière à voir un petit peu quelle est l'étendue de son répertoire. Et s'il vous plaît également, arrêtons de crier avec les loups, ça ne sert strictement à rien. Enfin, je voudrais conclure en disant que il faut également en finir avec cette vaste hypocrisie autour de ces singles de Ja Rule. Il faut arrêter, on a tous fredonné sur Always on Time, sur Mesmerize, et très peu de rappeurs ont autant de hits que Ja Rule sur une carrière. Et Murder Inc. a ensuite inspiré toute une génération d'artistes après. Tables turn, bridges burn, you live and learn. With the ink, I can murder word of my nigga Earth. With the ink, I can murder word of my nigga Earth. Yeah. Et je vois absolument aucune espèce de schizophrénie à comme moi assumément kiffer sur un morceau comme I'm Real, parce que je trouve que c'est réellement de la bonne musique, avant d'aller deux minutes après me replonger dans le premier album des Arsonists. Par exemple, je vais vous dire, il y a un morceau de Ja Rule qui reste un tube éternel à mes oreilles. C'est le remix de Put It On Me avec Lil Mo. Baby girl, put it on me. Mais j'ai l'impression qu'il existe une espèce d'omerta dans le hip-hop, et que pour se sentir un tout petit peu crédible dans la qualité de ses goûts rap, l'un des premiers critères à cocher c'est de dire « Je déteste Ja Rule », et je trouve ça dommage parce que c'est tellement faux. Pour finir, je vais citer le passage d'un dossier réalisé par le magazine Vibe dans sa parution d'avril 2004, où Ja Rule s'était vu attribuer la cover avec ce titre « Ja Rule, est-ce la fin ?» Ce n'est pas le succès phénoménal de 50 qui l'a le plus agacé, confie Ja Rule, mais l'inconstance des fans de hip-hop. Ceux qui l'ont un temps acclamé se retournent aujourd'hui contre lui. Ils m'ont kiffé pour avoir fait des hits, de la bonne musique, dit-il. Des chansons sur lesquelles ils ont dansé, qu'ils ont apprécié, sur lesquelles ils ont fait la fête. Et maintenant que ce négro a retourné sa veste pour faire le même genre de son, je me dis mais qu'est-ce que vous me reprochez? C'est vrai qu'après tout, qui ne s'est pas trémoussé sur What's Love ou Always on Time? Est-ce qu'on n'aurait pas jeté Jennifer Lopez aux oubliettes comme l'actrice Jennifer Love Hewitt s'il n'y avait pas eu des hits comme I'm Real, écrit par Ja Rule? Et si on devait parler franchement ici, est-ce que 50 Cent ne chantonnerait pas sur 21 Questions? Et le clip de cette chanson ne ressemble-t-il pas à celui de Put It On Me? Serait-il possible qu'on vous ait subtilement amené à détester Ja Rule pour qu'un autre, avec de plus gros muscles et des cicatrices de blessures par balle, puisse continuer avec la même formule? Alors pour ceux qui pensaient que c'était fini, j'ai encore quelques mots à ajouter sur les conséquences de cette histoire. Le meurtre d'Moneybags aura des répercussions tragiques, et le début des années 2000 à New York sera une période particulièrement trouble. Quelques années après sa mort, DJ K-Slay va faire sortir une mixtape en hommage à Moneybags, intitulée I'm the wrong nigga to fuck with, plutôt bonne, et sur laquelle je m'appuierai nécessairement dans une prochaine série. Kenneth McGriff dit sa prime a quant à lui été condamné à une peine de prison à vie pour 3 meurtres, dont ceux d'Moneybags et de son associé Troy Singleton. La tentative d'assassinat contre 50 en 2000 a également pesé sur la balance, puisque les procureurs se seraient directement servis de chansons de 50 Cent dont les textes incriminaient plus ou moins sa prime. Supreme et Murder Inc. avaient essayé de tuer 50 Cent. En représailles, 50 avait tué leur carrière en leur collant des procès sur le dos.
Sa vengeance, il l'avait assouvie par la délation dans ses chansons et ses interviews. Il s'était lancé dans une croisade contre les personnes qui avaient tenté d'en finir avec lui. D'ailleurs, Game avait sorti son célèbre freestyle de 8 minutes, intitulé 120 Bars, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa mixtape Stop Snitching, Stop Lying, sortie en 2006, soit très peu de temps avant l'ouverture du procès de sa prime, qui devait se tenir en 2007. Et sur ce freestyle, Game a des mots assez marrants, qui vont dans le sang justement. Raheem, cause running with a snitch is not quite my thing. Cause running with a snitch is not quite my thing. I try to take Buck with me, but he stayed on the scene. Yes, all I can do now is pray for Supreme. I try to take Buck with me, but he stayed on the scene. Yes, all I can do now is pray for Supreme. While I finish. Aujourd'hui, sa prime est incarcérée à la prison de Florence Ad Max, dans l'état du Colorado, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. Certainement le complexe pénitentiaire le plus sécurisé du territoire continental américain, puisqu'il n'abrite que des mafieux, terroristes ou autres criminels considérés comme les plus dangereux du pays. Et sa prime y est détenue avec d'autres gangsters très célèbres, comme Papi Mason ou Larry Hoover, également condamnés à mourir en prison. Mais je reviendrai sur ces mecs-là dans d'autres vidéos. Sachez néanmoins que Supreme a aujourd'hui épuisé toutes ses chances de faire réviser son procès. Notamment après qu'une demande de grâce au président Obama lui ait été refusée il y a quelques années. Mais on raconte qu'il garde toujours plus ou moins le moral à croire que toute cette histoire avait été écrite d'avance. D'ailleurs, dans le remix du titre I Put On de Young Jeezy, Jay-Z a une ligne où il raconte que ça n'aura pas été faute d'avoir personnellement mis Supreme en garde contre toutes ses activités. Retenez quand même qu'avant tout ça, Supreme a pu réaliser son rêve et faire sortir son film Crime Partners, avec un casting de fou d'ailleurs, puisque dans le film vous retrouvez Snoop Dogg, Ice-T, Taryn Turner de Menace to Society, Ja Rule ou Cormega entre autres. Et comme l'indiquent les crédits, le film est bel et bien produit par Kenneth McGriff. Et comme il fallait que je boucle la boucle dans cette série, sachez que Crime Partners, c'est l'histoire de gangsters noirs qui s'activent à tuer des policiers blancs. Ce qui pour le coup présente une similitude assez troublante je trouve avec l'affaire du policier Eddie Byrne. Et pour ceux parmi vous qui regarderont ce film, la toute première image est une dédicace. Et évidemment que Supreme dédie son film à son ami de toujours, Colbert Johnson alias Black Just. Maintenant, je vais être totalement honnête avec vous. Le film n'est pas aussi dingue qu'on pourrait l'imaginer, même si ça reste un bon film. Mais pour ceux d'entre vous qui ambitionneraient de lire le livre Crime Partners de Donald Gaines, je vous conseillerais peut-être d'abord de voir le film et de lire le livre ensuite pour ne pas être déçu. Quant à Chris et Irv Gotti, ils ne laisseront jamais tomber sa prime, ni pendant, ni après le procès, ce qui est tout à leur honneur. Puisqu'à leur place, je suis pas sûr qu'on aurait tous agi pareil. I didn't turn my back on a friend, and that's what the government didn't understand. How could these two guys making all this money not turn their back when we're saying just leave this guy alone and we'll let you get, we'll leave you alone? And we're like, he didn't do nothing wrong. I'm not gonna tell you a story that I don't even know, yet alone on a friend of mine. Are you crazy? Yeah. I could get into the stories how much he helped me, which I told the government. I said this guy only helped. And when you say this guy, I'm talking about Kenneth Supreme McGriff, my brother, who's still my friend, who I still take care of to this day. Après le procès, Def Jam ne renouvellera pas le contrat de Murder Inc. Et malgré les rumeurs qui annonceront un temps Irv chez Warner, là où Lior est allé, ou même chez Interscope, finalement Murder Inc. signera un contrat directement avec Universal, c'est-à-dire la maison mère. En 2009, Ashanti quittera définitivement Murder Inc. après avoir sorti le nombre d'albums que prévoyait son contrat. On raconte aujourd'hui que sa relation avec Irv s'est clairement apaisée. Quant à Lloyd, qui était l'ancien petit protégé d'Irv, il emboîtera le pas d'Ashanti quelques temps plus tard, en disant avoir besoin de grandir. Mais selon Chris et Irv Gotti, Lloyd tiendra des propos irrespectueux et ingrats à l'encontre de Murder Inc. Et ce qui terminera d'achever la relation entre Lloyd et Irv, c'est que dans la foulée de son départ, Lloyd va faire le seul truc qu'Irv Gotti ne pouvait pas lui pardonner.
allait enregistrer un son avec 50 Cent. Making me lose it, let's get to it. The spotlight on us ain't bright enough, baby. Thinking about you is driving me crazy. Irv aura des propos très durs contre Lloyd. Lloyd, I have no love for. You know what I'm saying? Because here's a person that I helped out. And the minute he left, I let you go. You wanted to leave, I let you go. And you're gonna say, oh, well, Gotti did this and Gotti did that. You went platinum with Gotti. He could walk right past me. He get hit by a car. I'd be like, oh, word? He got hit by a car? Yo, BJ, let's go get something to eat. Yeah, and then right after that, he did the records with 50 and Lloyd. Like, you was waiting these dudes off, huh? You couldn't wait to these dudes. No pause or none of that. You couldn't wait to them off. Mais Lloyd se défendra de toute forme de trahison. I could understand if I left and then I did a song with 50 Cent that was about him. But that's not what the song was about at all. À sa sortie de prison, où il avait été incarcéré pour évasion fiscale entre autres, Ja Rule quittera Murder Inc. pour fonder son propre label. Mais lui et Irv sont toujours en excellents termes. Quant à Chris Lighty, qui était l'ancien manager de 50 Cent, et surtout grand rival d'Irv chez Def Jam, il se suicidera en 2012 d'une balle dans la tête. La thèse officielle veut que Chris Lighty ait commis cet acte après une situation d'endettement et surtout une dispute avec sa femme qui venait de demander le divorce. Mais toute sa famille et une bonne partie des rappeurs avec lesquels il travaillait, dont 50 Cent, réfuteront totalement cette thèse. I mean, within the business or whatever, people absolutely associated you and Chris. Yeah, like... yeah. I honestly can't wrap my head around the idea of him shooting himself. Mm. You know, so I mean, I don't have all the information, so I don't, you know, point or say anything other than what's being said publicly. Right. But I don't believe that. You know, just because my personal interactions with him, yeah. And it's never gave an indication that that was even possible. Alors si, comme beaucoup de gens, 50 Cent ne croyait pas en cette thèse du suicide, c'est que les éléments qui tendaient à l'expliquer ne tenaient pas la route en réalité. Par exemple, on expliquait que Chris Lighty était endetté, ce qui à l'instant T de sa mort en plus était vrai, mais en réalité sur des sommes totalement supportables pour son niveau de rémunération, et surtout que peu avant sa mort, Chris Lighty venait de finaliser la tournée mondiale de 50 Cent. Donc c'était des millions de dollars qu'il s'apprêtait à engranger. Deuxièmement, la seconde grosse interrogation portait sur sa femme. Comme je vous l'ai dit, juste avant de mourir, Chris Lighty et sa femme étaient en instance de divorce. Or, le testament qui sera retrouvé stipulait que Chris Lighty laissait la quasi-intégralité de son patrimoine, immobilier et financier, qui soldait en millions de dollars à sa femme. Or, si le divorce avait été prononcé avant le suicide, vous imaginez bien que l'histoire aurait été complètement différente. Du coup, la question qui reste sans réponse pour beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, c'est comment un homme qui projette de suicider et qui détient un patrimoine qui solde en millions de dollars ne s'assure pas plutôt qu'il revienne à ses chers et tendres enfants, plutôt qu'à sa femme qui a prévu de vite divorcer pour aller voir ailleurs. 50 Cent engagera une équipe de détectives sur ses deniers personnels afin de tirer le fin mot de cette histoire. My sources confirmed to me that at the request of Chris Lighty's grieving mother, superstar artist 50 Cent has brought in a high-powered team to investigate the hip-hop mogul's death. This comes as Fox 5 News has obtained a copy of his will, and it leaves everything to his wife. This is the cover of Chris Lighty's will. His legal first name is Daryl, but it's what's on page 3 that's raising eyebrows. Except for a fund set aside for his children, it says if he is survived by his wife, quote, I give my entire residuary estate, real and personal, to her. Lighty managed the careers of superstars like 50 Cent and Diddy and orchestrated multi-million dollar deals. He died last month, allegedly from a self-inflicted gunshot wound, after an argument with his wife Veronica. Alors si à date, rien n'a permis de démonter la thèse officielle du suicide, la mort de Chris Lighty reste l'une des plus grandes énigmes du hip-hop. Chris Lighty s'est-il suicidé? A-t-il été incité à le faire? Ou a-t-il été tout bonnement tué? Aujourd'hui encore, on ne le sait pas véritablement. Mon gars Papoose enregistrera un titre auquel je donne personnellement 10 sur 10, intitulé Obituary 2012. Papoose a longtemps gardé pour rituel de rendre hommage en début d'année à des artistes décédés sur l'année précédente. Et sur Obituary 2012, Papoose rend hommage entre autres
à Chris Lighty et la dernière mesure de son premier couplet ne laisse absolument aucune place au doute. Whitney Houston, let us rejoice. Words can't describe her amazing voice. Born August 9th, 1963. Incredible black woman, Newark, New Jersey. Soloist in the church choir, astounding. Sold over 170 million albums. The cause of her death, accidental drowning. She leaves behind a daughter, heavenly surroundings. Chris Lighty, hip hop shed a tear. He gave birth to so many careers. Born May 8th, 68. In the Bronx, used to carry records for Red Alert. He was smart, started Violator, made it better. He helped me with my career. We took a $1 million deal together. The cause of his death, they say suicide. But anybody who knows Chris, see through the lie. The cause of his death, they say suicide. But anybody who knows Chris, see through the lies. Take these bars and play them in the cemetery. Cette histoire que je vous ai racontée, c'est celle de Murder Inc. Mais comme vous l'avez vu, elle va bien au-delà des acteurs premiers du label. Malheureusement, tout au long de ces événements, beaucoup des personnages dont je vous ai parlé ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Et je tenais à avoir un mot pour eux. R.I.P. à Eric Smith dit E. Moneybags, un rappeur prometteur malheureusement rattrapé par la vie de la rue. R.I.P. à Troy Singleton dit Big Nose, un autre gangster pour qui la fin n'a encore une fois pas été heureuse. R.I.P. à Colbert Johnson dit Black Just, la triste fin d'une histoire qui n'était pas la sienne. R.I.P. à Randy Walker dit Stretch, un rappeur et beatmaker de talent qui restait tant à accomplir. R.I.P. à Bruce Washington dit Hussein Fatal, l'un des outlaws de Tupac, tristement tué dans un accident de voiture. R.I.P. à Chris Lighty, l'homme derrière les carrières de tous nos rappeurs préférés. Et surtout, R.I.P. à Albert Johnson dit Prodigy de Mobb Deep, l'un des plus grands MC que cette terre n'ait jamais porté en son sein. Voilà, on arrive à la fin de cette quatrième et dernière partie. Toute bonne chose a une fin, donc j'espère encore une fois que ça vous aura plu et que j'aurai pu participer à vous donner une nouvelle perspective sur l'histoire du label Murder Inc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à laisser un petit commentaire. Ça nous permet de savoir ce que vous avez très concrètement pensé de la série sur tel ou tel point. Aujourd'hui, vous êtes véritablement la force des docus que je réalise. Donc pour plus de séries comme celle-ci, vous pouvez nous aider en partageant et en parlant un maximum autour de vous. Aujourd'hui, on monte toujours en puissance. Donc pour nous aider à réaliser plus de contenu comme celui-ci, vous pouvez également faire un don du montant de votre choix sur notre compte Tipeee, dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Et en ce qui concerne la seconde surprise annoncée, lors de la prochaine série, dont la finalisation sera déjà largement entamée au moment où vous voyez cette vidéo, je vous présenterai un nouveau concept qu'on maintiendra en plus de celui-ci, où je reviendrai avec vous sur les origines de Beef Hip Hop plus ou moins célèbre. Un nouveau format intitulé What's Beef qui promet d'être très lourd. Donc assurez-vous simplement d'avoir activé votre cloche de notification pour ne rien louper. Et d'ici là, portez-vous très bien. À très vite.